Coucou tout le monde, on est reparti sur du Breakwaters car il y a du nouveau contenu, les développeurs ont débloqué la construction. J'aimerais donc construire une maison, peut-être une ferme, une palissade pour me protéger des attaques de monstres et pourquoi pas un barrage qui va relier deux îles entre elles. Alors on va commencer par la maison et puis après on va faire des projets un petit peu plus ambitieux plus tard. J'ai un petit peu farmé entre cet épisode et le précédent, j'ai par exemple construit la forge qui me permet de faire les clous et les charnières nécessaires pour faire les portes et le sol. Vous voyez, j'ai déjà du sol et des murs de près pour démarrer rapidement l'épisode. J'ai un petit peu farmé en ressources et j'ai suivi un de vos conseils. Vous m'avez dit de construire un marteau en roche pour péter eh bien, les cailloux plus rapidement. Et effectivement, c'est d'enfer. Alors, je sais pas si tu peux bâtir. Voilà, là, on va en avoir besoin. C'est vraiment excellent. Ça fait 5 fois plus de dégâts que mes autres outils. Et ouais, donc ça m'a vraiment permis de farmer plus rapidement. Donc, merci à vous. Allez, on va ramasser cela. Hop, 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 hop. Oh, j'ai plus de place. Est-ce que j'ai de la place pour le faire? Oui, j'ai de la place pour le faire. Bon, alors maintenant, il faudrait trouver un endroit où se poser. Je ne veux pas mettre là. Vous voyez, il y a un petit peu trop de pente. Je pense pas que ça va être particulièrement joli. Le bas de la maison va dépasser et tout. Je pense que je vais plutôt me poser dans la petite plaine qu'il y a là-bas. Mais avant de démarrer, un petit mot sur la fin de l'épisode précédent. Vous avez remarqué qu'il n'y avait effectivement pas de son. En tout cas, pas ma voix dans les 2-3 dernières minutes. Je m'excuse. En fait, le jeu a un petit peu bug. J'ai terminé le puzzle du temple que vous voyez là, ce qui a fait projeter la lumière. Et la suite ne s'est pas déclenchée. J'ai dû relancer le jeu. Et en le relançant, les pylônes que vous voyez là sont sortis du sol un à un. Mais je ne pensais pas qu'il y avait une animation, donc je n'ai pas fait l'enregistrement. Du coup, j'ai dû effacer mon dernier segment de vidéo, refaire un segment d'enregistrement. Et apparemment, mon micro ne s'est pas déclenché, je ne l'ai pas vu. En gros, je vous ai juste dit qu'il y a une pop-up du jeu qui nous dit qu'on est à la fin de la bêta, il n'y a pas de contenu, on ne peut pas progresser plus dans l'histoire. Bon, voilà. Alors, donc maintenant que ça est dit, on est parti et on va essayer. Alors, je n'ai aucune idée de comment ça va se passer. J'ai fait un petit test pour poser un mini barrage. Vous pouvez voir au loin quelques murs, voilà. Mais je n'ai pas testé de construire de maison du tout, donc voilà. Alors, bah tiens, on va jeter un petit coup d'œil. Ouh, l'eau. L'eau arrive jusque là, à la marée haute. Ah ouais. Ah, d'accord. Bon, bah, on va voir. On va voir après. Donc, je vais me poser ici. Normalement, la marée ne devrait pas atteindre cet endroit. Ça a l'air d'être l'endroit le plus plat de la région. Donc, alors, je vais mettre... Alors, est-ce qu'on peut tourner? Ok, c'est dans ce sens-là. D'accord, il n'y a pas de... Ok, on peut pas le faire tourner C'est quoi? Ah, c'est ça? Non? Ouais, non, c'est juste ça, d'accord. Et il y a d'autres variantes... Ouh! Ok, clic droit et ça fait apparaître de nouvelles choses, d'accord. Ah, ça c'est bon à savoir. Bon, bah alors, du coup, j'aimerais une maison, au moins 3, comme ça. Et au moins, je voudrais la faire rectangulaire plutôt que carré. Ou alors, on peut la faire carré, 3 sur 3, et mettre... Un petit... Oui, vous savez, hein, l'extérieur. Ok, on va voir. Ok, donc c'est parti. Alors, 1, 2... Oula. Pourquoi est-ce que... T'as tourné tout seul. Alors, du coup... Ah, j'en ai d'autres. Ok, ça continue à piocher dans mon inventaire. D'accord. Alors, pourquoi je peux pas te connecter, par contre? Ah, par ici. Donc, au moins 3 x 3, ça, c'est le minimum. Il y a un petit peu d'amélioration à faire. Allez, des fois, là, le snap de... Voilà. Et ça fait un petit peu freeze le jeu au passage. J'ai l'impression que quand ça essaie de se connecter, il y a un mini freeze parfois. Voilà. Donc 3 sur 3. Bon, on a de l'herbe qui pousse entre les planches, on va dire ça dans le RP. Donc est-ce que c'est la taille de ma maison? Peut-être je vais en faire une rectangulaire quand même et mettre en plus autour. Bon, ça me demande tellement de ressources. Donc voilà. Et vous voyez, derrière, on va mettre un petit ponton. Vous voyez, comme ça, et on pourra se balader avec peut-être un canapé ou quelque chose pour bronzer. Alors maintenant... Ouais, alors on va mettre ça dans les angles. Est-ce que j'ai des... Oh, j'ai 5 variantes. Ouh. Ouh, ok, fenêtre, ben tiens. On va la mettre là. Oh, la fenêtre, elle peut aller en angle. Ok. Et on va la mettre. Une. Où la mettre? Peut-être mettre là. Et là, sinon, c'est le seul moyen de faire ça symétrique. Et ici. Et j'aimerais une porte. Ok, peut-être les portes, c'est autre chose. Alors, hop. Hop. Ça, ça va dans l'angle. Peut-être une fenêtre là. Non, non, non. C'est pas ce que je voulais faire. Alors, je crois que j'ai un marteau pour déconstruire. Et d'accord, en fait, ça fait... Quand on le met en hauteur, ça... Oh, d'accord, ça nous donne des ressources gratuites, vous voyez, pour faire la connexion au sol. D'accord, alors. Ici, maintenant.
Voilà. Ouh. Ok. Bon, ça, ça va être à tester plus tard. Alors, maintenant. Porte. J'en ai qu'une. Très bien, je voudrais en mettre une autre là. Puis faire ça là-bas. Et alors, comment ça se... Ok, donc il me faut le marteau pour détruire. Et je vais... Alors, je sais pas si je peux déplacer mes ateliers de là-haut et les ramener là. On va voir. Et alors, le plafond, je crois que j'ai un craft juste pour le plafond. Ah, alors j'ai encore du bois, j'en ai coupé pas mal. Oula, je commence à avoir soif. Ah, j'ai mis dans mes coffres mes bouteilles d'eau. Attention, là je perds des points de vie. Je crois qu'il en faut deux. Et je crois que je peux remplir... Voilà. Donc on voit la quantité d'eau. Alors, quelque chose que j'ai remarqué, je peux pas fusionner les bouteilles. Faut que je ramasse l'eau. Oh, pas assez d'eau pour remplir la bouteille. D'accord, bon, bah, c'est pas grave. Alors, du coup, je dois ramasser toi, te mettre là, te prendre toi, te mettre là. Ça a réglé également les développeurs. Alors, j'ai fait un peu trop de murs, je suis un peu déçu parce que c'est du gâchis de ressources, mais je pensais en avoir besoin de plus. Et donc, si je viens là. Du coup, on pourrait faire un pylône, ça à l'extérieur. Les murs, ça, on va les faire après. Ah, il me faudrait le plafond. Pour le plafond, il me faudrait des branches. Et, d'accord. Alors, les branches, j'en ai là-dedans. J'en ai un paquet de branches. On va toutes les prendre et on va aller farmer un petit peu d'herbe. Ouh, alors, j'en ai plus dans les coffres. Non, on va les farmer. Alors, avec ça, je devrais en avoir assez. Ok, plus de place, on retourne et on va voir ce que l'on peut faire avec notre loot. Alors, je vais manger. Voilà. Et donc, on a du 3x4 pour le toit. Donc, théoriquement, il nous faudrait 12 cases. Toi. J'ai pas... Ah. J'ai pas la place. Je peux pas la récupérer, d'accord. Est-ce que je peux poser des choses? Les clous, pour le moment, j'en ai plus besoin. Ok. Oh, ok, ça fait toujours un peu peur, ça. Bon, on met là. Et on le fusionne. Et on doit faire notre toit. 1, 2, 3. C'est tout ? 3 morceaux de toit ? Qu'est-ce qui me manque, là ? Il me manque... D'accord. Il me manque toit. Donc, il va falloir en chercher un petit peu plus. Mais on va essayer de le poser déjà. Pour voir comment ça fonctionne. On ne sait jamais. Peut-être c'est du 2x2. Je sais pas. Comment ça. Ouh. Ah oui, c'est vrai. Et j'ai. D'accord, j'ai le droit. Ah oui. Okay. Alors. Je peux faire avec. Incurvé, mais. Je pourrais te mettre là. Vraiment ? Pas sûr de comment. Est-ce que tu te mets là ? Et lui se met comme ça ? Bon, après pas mal de farm, j'ai fait même un petit peu trop de ça, mais je voudrais un marteau de démolition parce que j'ai une idée de ce que l'on va faire. Alors, on va te mettre ici. Et déjà, j'aimerais retirer le mur en trop. Et en fait, ce que je vais faire, c'est. Je vais faire un toit en forme de V. Et je vais essayer d'utiliser les formes de murs triangulaires pour compléter là. Je vois pas d'autre solution. Alors toi, retire. Parfait. Est-ce que je récupère? Je récupère pas le mur. C'est ta ressource? Ok, s'il y a un objet sur le sol, d'accord. Ah bah finalement, j'aurai deux morceaux de toit en trop. Ah, il est là. C'est pas grave. Alors maintenant, je prends toi. Et je me mets là. Hop. Hop. Oh, j'en ai peut-être pas fait en trop parce que c'est en forme de V. Mais il va falloir également au-dessus. Ah. Ça ? Non,
pas tellement. Qu'est-ce que je fais pour le haut là? Comment ça fonctionne? Je vais peut-être mettre le sol plat. Ils ont pas prévu de faire un petit hein? Non. Je vais glisser là. Non. Cette histoire. Comment je vais faire le toit? Ok, bah j'ai compris. Il va falloir faire un nombre pair, vous voyez, parce qu'il va falloir mettre un au-dessus et un autre qui descend du côté là. Et vu qu'il n'y a pas... Oh non, je vais devoir faire un... Je vais être en carré en 4x4. Alors du coup... Oh, ça me donne pas la ressource, ça me donne... Je pensais que ça me redonnait le bloc, mais ça me redonne juste la compo, les compos et peut-être une partie des compos. Ouh, alors, d'accord. Alors, est-ce que j'ai... J'ai pas de sol, mais j'en ai peut-être à la baraque... Ah ok, ça, ça me complique les choses. Bon, alors on revient avec ce qu'il me faut. Alors je vais peut-être juste placer ça. Voilà, faire de la place. Voilà, donc en fait, ce qu'il faudra faire, c'est comme ça. Dites-moi que c'est bon. Oui, c'est bon. Physique a pas l'air trop rentré en jeu. Bon, parce que... J'ai pu le faire à un instant et... Voilà. Et le suivant. Ok. Alors. Hop. 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 Maintenant, la question, c'est comment le mettre là-haut. Alors, j'ai fait également le tour. Je sais pas si vous voyez bien. Ça, c'est pas optimal, les développeurs, hein. Pas optimal du tout. Alors, je me suis fait un escalier pour essayer de... Ah, ok, c'est possible. C'est... Pourquoi? Ah, voilà. Ouh. Ok. Ouh, j'ai eu peur. J'ai cru que c'était... ma technique ne passerait pas. Mais apparemment... Faut être en dessous, mais pas beaucoup, c'est ça? C'est une question de millimètres. Allez. Améliorer ça, les développeurs. Allez, ici. Ah, ici. Ouh. Et le dernier. On est bon. Bon, alors maintenant, il faut faire le côté. Et je vais me débarrasser de l'escalier. Non, peut-être pas me débarrasser de l'escalier maintenant parce que. Prendre. Parce que je sais pas trop. Qui va se passer là. Donc maintenant il me faudrait du mur. Ok. Alors. Ça. Hop. Ah. Hop. Hop. Et là-haut. Oh. Bon, alors. C'est un petit peu trop rempli. J'aimerais... Je voudrais peut-être rallonger un petit peu le toit des deux côtés. Je pense que c'est ce que je vais faire pour que ça soit moins... Ouais. Moins. D'accord. Alors, j'ai plus ou moins fini le toit de l'autre côté. Donc là, je vais commencer à récolter du bambou. Pour faire une petite barrière autour. Et on va voir ce que l'on peut faire. Pour le... Là. Pour la ferme. Alors... On va démolir. Ça va être celui-là. Bam. Maintenant. Alors, est-ce que je peux... Le 5. Ouais. On peut déjà te mettre là. On pourrait le mettre là autour. Donc ça, ça va être pas mal. Mais j'aimerais entourer cette zone. Ah, et la poule. Voilà, donc je vais faire le tour. Ça va me demander pas mal plus de barrières que je n'ai. Et on va mettre également... Une petite porte. La porte, ça? Non, non. Il faut quitter. Ah, il faut quitter...
D'accord. Ben, finalement. Viens là. La pose ici. Ah, c'est une porte que d'un côté. D'accord. Bon, on va faire farmer pour. Je sais pas si je vais entourer tout. Je vais voir. Alors, mon problème est que. Vous voyez, ça ne se connecte pas au sol, donc c'est pas très joli. Je suis un peu déçu. Bon, je vais mettre. Ouais, ça ressemblait à ça. Voilà, il me faudra des escaliers là pour pouvoir monter facilement. Pousse, mauvais bouton. D'accord. Alors maintenant, il me faut aller voir pour fabriquer des fermes. Faut vraiment que je ramène les ateliers à côté, quoi. Ah, alors il nous faut des crottes de cochon. Ça, j'en ai. Je peux en chercher d'autres et surtout, il nous faut de la terre. Oh, ok. Ce bruit, ses effets, je veux dire. Ouh. Failli me faire avoir. Bon. Donc là, on sort la pelle et je suppose que c'est là qu'il faut creuser. Ça, c'est quoi, un boulet de canon? Juste de la terre. Quoi, un boulet? Mais il y a combien de boulets de canon, là? Ok, là, c'est le coup, un boulet de canon. On va un peu plus loin. Alors, vous devez voir que dalle. Mais c'est incroyable. Est-ce qu'il me faut être... Est-ce que c'est... Là, j'ai que des boulets de canon ou... Oh. Alors, j'ai un petit peu de terre en coffre, mais ça va pas me suffire pour faire beaucoup de champs. D'accord. Là, je pouvais avoir du sable, là. Oh, l'ennemi. Boulets de canon, c'est l'île maudite. On est sur un champ de boulets de canon. Voilà, allez. Oh, j'espérais avoir assez, mais je n'ai que un de terre sale, enfin de terre. Donc ça va pas me permettre de faire ce que je veux, et peu importe où je creuse, j'ai un boulet de canon. Et là, j'ai que des boulets de canon, c'est impossible, je peux pas trouver autre chose, et je comprends pas trop. Genre, il y a une bataille énorme ici, d'accord. Bon, bah c'est comme ça. Du coup, bah, on va mettre ça de côté. Et maintenant, je vais farmer pendant une petite heure ou deux à la recherche. J'en ai déjà pas mal dans mes coffres, mais... non, c'est toi. Ouais, voilà. Merci de me mettre là, je crois que je peux avoir les deux en même temps. Non, c'est un seul. Ok, ouais, je veux de la redstone, un max. Voilà, donc on ramasse ça. Et une fois que je fais tout le tour... Okay, je peux pas t'avoir. J'ai pas besoin tellement de fer, mais une fois que j'ai assez, je vais commencer à faire mes murs. Finalement, je vais le faire tout de suite, parce que je commence déjà à avoir les sacs pleins. Donc. Mur de roche, parce que ça demande moins de ressources, c'est plus facile à obtenir. C'est pas celui-là. Oh. Okay, bon, on va les faire. Hop, je peux les ramasser maintenant. Et on va continuer. Bon, je vais vider mes sacs, tout ce qui ne sert à rien. Toi, les murs basiques s'en vont, les branches, on n'en a pas besoin. Je vais les fusionner là. Le toit. Place. Boulet de canon. Bon, je sais qu'il y en a un autre emplacement, c'est pas grave. Branche. Ah. Je suis pas super, super là. Dans le... Je vais également prendre. J'ai la. Non. Je vais pas fusionner avec l'autre. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ok, bah je continue. Bon. Alors là, mon problème est que j'ai commencé à poser le mur à la marée basse, en fait. Donc, va falloir le tirer au moins jusque là-bas. Sinon, il va servir à rien. Et après, on va essayer d'atteindre là-bas. Bon, là, ça, je vais peut-être pas pouvoir le faire en un épisode. On va sûrement essayer de fermer pour voir ce qui va se passer. Hop. Oh, ok. Je suis limité en nombre de murs, donc pas non plus gâcher. Ah, et quand je le pose, ça connecte au fond aussi comme l'autre. Ce qui veut dire que je n'ai pas besoin de... Je peux pas te poser là, par contre. Non, il faut quand même le faire. Et là, je peux pas le poser. Zut. Alors.
Ouais, ça le fait. Ça compense pour une certaine hauteur, en fait. Pas complètement. Zut. Pour là. Pas connecté. Bon, on a déjà ça. Et là, la marée retombe. On a bloqué un peu d'eau, là. Je sais pas si on a bloqué l'eau. Je me demande si je peux. Non, je voulais aller tout droit. Ouais, alors. 6. Non, c'est pas toi. C'est quel pour détruire? Voilà. Je te mets là. Qu'est-ce que tu fais en bas? Tu fais en bas, pas. Et ah. Est-ce que ça touche? Ça touche le sol. Je pense pas que l'eau peut passer en dessous, on est d'accord, hein. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai plus... Si j'ai encore du mur. Ok, c'est juste que c'est trop haut maintenant. D'accord, donc on a une certaine compensation, mais... Ouais, ça ne fait pas complètement. Et là, j'ai plus de mur. Ok. D'accord. Ouais, alors, là, j'ai pas l'impression d'être allé... Ah, l'eau va super plus loin, en fait. L'eau continue. Ouh, il faut que ça soit plus haut parce que l'eau passe par-dessus. Peut-être que d'aller à Lille pour le premier essai, je pourrais essayer de faire un bassin, là. Ok. D'ailleurs, je commence à manquer de nourriture, donc on va poser lui qui a l'air mieux. Ah. Donc. Ah ouais, beaucoup mieux que là. Beaucoup mieux. Et du coup, je vais pouvoir manger ça. Je commençais à être affamé, j'ai perdu des points de vie. On mange encore. On boit l'eau. On refait le plein des bouteilles vides. Alors, j'ai remarqué que si je fais clic droit plutôt que d'essayer de faire glisser, ça se met directement là. Pas assez d'eau, donc on va attendre que ça se remplisse ici. Parfait. Alors, j'ai dû bidouiller un petit peu, et donc là, vous pouvez voir qu'il n'y a plus d'eau là, mais j'ai coincé de l'eau déjà ici, et ça me gêne un petit peu parce que j'aimerais... Ah, ok, c'est ça, abaissé. Il me faudrait, je pense, déblayer les champignons qu'il y a devant si je veux atteindre... Hop. Ouh, il y a un coffre là. Bon, on verra après qu'il y a un coffre. Bon, on va l'ouvrir. Allez, je peux l'ouvrir. Il a été ouvert, j'ai obtenu, d'accord, de l'argent à l'intérieur. Il y en a un autre là. Il me bloque un peu le chemin, pour être franc, hein, mais bon. Ok, maintenant je peux progresser, donc c'était bien. Ah non, c'est là. C'est là que j'étais bloqué. Voilà, donc c'est les champis, effectivement. Enfin, les champis, le corail, pardon. Qui me bloquaient la route. Maintenant que je suis là, je vais pouvoir... Comment est-ce que je peux passer au-delà de du caillou? Bon, je continue. Alors, j'ai réussi à faire quelque chose de pas mal. Le problème, c'est qu'il est dur de connecter. Je peux pas le mettre là. Alors, j'ai dû utiliser des potions jaunes également. Et vous pouvez voir cette zone qui était auparavant inondée. Regardez le niveau de l'eau. On va retirer ça. Le niveau d'eau arrive pratiquement jusqu'en haut régulièrement. Et là, essayer de sortir là. Je peux pas sortir par là. Là, il n'y a plus du tout d'eau. Et l'eau arrivait au bateau là-bas. Et maintenant, j'ai réussi à bloquer le... Alors, normalement, ça devrait contourner. Mais apparemment, ça a l'air de suffire. Oh, génial. Génial. Il me faudrait continuer. Alors, je voudrais atteindre là-bas, mais je sais pas si c'est possible. J'ai juste plus... Oh, il faut vraiment trop de temps. Mais là c'est déjà bien incroyable. Oh, juste complètement dingue. Et je me demande si je peux faire un petit carré, vous voyez, donc avoir une zone complètement sans la mer. Ou si j'atteins
là-bas, est-ce que si l'eau vient de là-bas et qu'elle vient là, est-ce que là tout le côté là sera vide, séché? Ce serait top. À tester, à tester. Mais bon, là, je vais m'arrêter parce que ouf. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé la découverte des nouveaux ajouts. Il y a pas mal de bonnes petites choses, de bonnes idées, et pas mal de potentiel. On a notre petite maison là-bas qui est un peu bizarre, hein, pour être franc. Mais bon, je suis pas aussi content des mécaniques de construction de ce jeu que par exemple dans Lens Island, un autre jeu de survie du genre où on survit sur une île que je vous ai montré, où c'est juste un système excellent avec des textures magnifiques et vraiment le tout est flexible et le résultat est toujours très joli. Là, ça n'a pas l'air d'être trop le cas, mais bon, on est au début. Ah, Lens Island est également à son début, donc ils font mieux ça, mais j'espère que les développeurs vont améliorer le système actuel. Oh, regardez. Oh, non, ça y est, ça a réussi à monter. Oh, non. Zut, ça a réussi à se glisser. Bah ouais, la marée haute, je me disais bien que ça aurait dû. D'accord. Alors, du coup, il y a quand même moins d'eau du côté là que de l'autre. Mais il me faudrait contourner le caillou là et remonter jusqu'à la plage pour voir si je peux vraiment isoler complètement un endroit. Alors, j'ai également fait une porte pour peut-être, vous voyez, faire un petit passage qui pourrait laisser passer l'eau plus tard. Genre, je pourrais ouvrir ou fermer en fonction du besoin. Mais bon, ça va attendre peut-être un autre épisode. Allez, à bientôt.